Hicham Benghazi. Bah, enlève tes lunettes, tu verras beaucoup mieux. Hein, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, ouf, 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 ouf. Lève-le. Vous l'avez trouvé où? Un homicide. Oh, merde. Vous la volez comment? Ah, j'ai toujours un revolver dans la boîte à gants de mon véhicule au cas où. Le ministre et moi étions en déplacement à Toulouse. J'ai dû laisser la voiture sur un parking sans surveillance. Bah, on me l'a piqué avec le revolver dedans. C'était quand exactement? C'était samedi, il y a 3 semaines. Alors que suggérez-vous pour la montre? Que vous nous la laissiez quelques jours. Mon père pense qu'il s'agit du ressort inférieur. J'ai une meilleure idée. J'ai surpris cette racaille en train de voler le drapeau de la caserne. Le drapeau! Vous vous rendez compte? Ah bah pas vraiment, non. Enfin, vous savez, on est plutôt habitué à des délits mineurs, genre meurtre, viol, tabassage ou toutes sortes de broutilles. Alors là, une affaire comme la vôtre, ça me dépasse un peu. Mais que faites-vous? Je nous libère. Voilà ce que je fais. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez? Ah! Je faisais une dernière petite vérif sur le ressort inférieur. Oh, ça, je pensais que ça venait de là. C'est bien vu, hein? Oh, ça, c'est intelligent. Vous ne devez pas, madame, attendre que l'énumération soit terminée pour lâcher votre papier. Vous le lâchez délibérément pour faire taire Bartolo. Le mieux serait donc que vous le lâchiez sur inoculation et que vous vous écriez sur encyclopédie. Nous reprenons la liberté de penser. Vous rigolez? Ah non, je rigole pas. Vous pouvez pas porter plainte contre Miss Grenoble parce que c'est une salope. Mais vous comprenez rien ou quoi? Je vous dis qu'elle a magouillé, cette pute. Ça aurait dû être moi, Miss Grenoble. Effectivement, c'est dommage. Si, c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Excuse-moi, tu peux te mettre un peu plus loin, s'il te plaît, là? Ah, ça va, c'est bon. Putain. Non, mais je préfère que tu restes pas là. Ah, ça va, je gêne pas, je dis rien, là. Oh, Yuri, mon pote. Tu rentres le ventre, tu sors la bite, hein, t'oublies pas. Hein. Bon, tu sors. Putain, mais ça va, c'est quoi cette ambiance pourrie, là? C'est pas vrai, hein? Bon, allez, Franck, c'est suffit maintenant, s'il te plaît. Laisse-nous parce que tu vas nous mettre en retard. Mais c'est lui qui fait perdre du temps aussi, là. C'est quoi cette équipe de bras cassés? C'est pas ça le cinéma. Putain, vivement que tu sois sur mon tournage, j'aurais que tu te marres un peu. Parce que là, franchement, bon courage, quoi. Tu sors, capitaine. Ouais. Ah, elle est encore là, elle? Bah, cette fois, c'est plus sérieux. Tentative d'homicide. Émissoire Jambon vient de tirer au fusil de chasse sur Miss Grenoble. Enfin, plutôt sur le phare arrière de sa bagnole. Eh ben. Et c'est quoi le mobile? Bah, toujours le même. Miss Grenoble, c'est une salope. Je veux voir le capitaine. Tu crois qu'il m'appelle capitaine pour rigoler, lui? Bon, je te revois dans 5 minutes. Et viens. Donc moi, j'ai fait comme il m'a dit l'avocat. Cette piche, ça va aller mieux que perpète. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Les Bourbons, l'Autriche et l'amour. Et l'Amérique et la liberté. Laissez-nous passer. Vous ne pouvez pas avoir... C'est pas le collègue, madame. On sait très bien qu'il a tué votre mari, d'accord? Ne vous laissez pas. Pardon, madame. Non. Vous ne pouvez pas avancer. Calmez-vous, madame, vous n'avancez pas. Je m'en occupe. T'as vu dans quoi t'allais nous foutre avec ton stress, là? Wake from your sleep. The drying of your tears today.